Le football est sans doute l'un des plus populaires sports dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays ont choisi d'investir dans la construction des stades de classe mondiale. Même si l'Afrique est à la traîne en termes d'infrastructures sportives, il n'est fait aucun doute que la Coupe du Monde de 2010, qui s'est déroulée en Afrique du Sud, a ouvert la voie à la construction des stades de premier ordre. Les stades les plus chers d'Afrique sont également parmi les meilleurs stades du continent et du monde entier. C'est parce qu'ils ont été construits en utilisant la dernière technologie avec des installations ultramodernes. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des stades les plus chers d'Afrique. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes d'Afrique? Réponse A, le Cameroun. Réponse B, l'Égypte. Et réponse C, le Ghana. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Le stade national de Mbaka, 100 millions de dollars américains. Le stade national Mbaka est un stade multi-usage stade à Benguela en Angola, achevé en 2010. Il est principalement utilisé pour les matchs de football et a accueilli certains événements pour la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Le stade a une capacité de 35 000 personnes. Le stade olympique de Rhades, 110 millions de dollars américains. C'est l'un des meilleurs stades polyvalents de l'Afrique. Cependant, il est principalement utilisé pour le football et l'athlétisme et se vante de structures modernes qui répondent aux normes internationales requises. La construction de ce stade, d'une capacité de 62 000 personnes, a coûté 110 millions de dollars américains. Il est situé à Tunis, en Tunisie, et a ouvert ses portes en 2001. Le stade a été construit pour les Jeux méditerranéens de 2001, puis rénové en 2005. Il abrite l'équipe nationale tunisienne de football. Mbombela Stadium, 140 millions de dollars américains. Le stade Mbombela Stadium a été récemment construit pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2010, organisée par l'Afrique du Sud. À bien des égards, c'est un stade qui répond totalement aux normes internationales requises. Ce stade de 40 929 places a coûté 140 millions de dollars américains et est à ce jour le plus petit stade jamais construit pour la Coupe du Monde. Il est situé à Nelprus, dans la province de Mpumalanga. Le stade Mbombela a été construit grâce au financement des contribuables et peut être utilisé pour d'autres sports comme le cricket et l'athlétisme. L'une des principales caractéristiques qui se démarque sont les 18 supports de toit qui ressemblent à des girafes. Peter Mokaba Stadium, 150 millions de dollars américains. C'était aussi l'un des stades utilisés pour la Coupe du Monde. Il est situé à Polokwane en Afrique du Sud et porte le nom de Peter Mokaba, ancien dirigeant de la Ligue de la Jeunesse du Congrès National Africain. Il peut accueillir jusqu'à 41 733 personnes et est en fait la maison du Black Leopard FC. En outre, il est situé à quelques kilomètres du vieux stade Peter Mokaba. Ce stade incroyable qui a coûté 150 millions de dollars américains est idéal pour les entraînements et les matchs intenses. C'est principalement le stade de football et de rugby à 15. Le stade 11 novembre, 227 millions de dollars américains. Ce grand stade polyvalent est situé à Luanda, en Angola. Et sa construction a coûté 227 millions de dollars américains. Son nom rappelle le jour de l'indépendance de l'Angola, célébré tous les 11 novembre. Ce stade était conçu par Urbanvest, Arusport et Sua
Quai Architecte, tandis que les travaux de construction ont été confiés au groupe Shanghai Urban Corporation. Il a été achevé en 2010 et a même accueilli la Coupe d'Afrique des Nations la même année. Sa grande capacité de 50 000 places le rend apte pour les grands matchs. Il est principalement utilisé pour les clubs de football Primeiro de Agosto et Petro de Luanda lorsqu'ils n'organisent pas de matchs internationaux. Le stade Nelson Mandela Bay. 270 millions de dollars américains. Ceci est un autre grand stade situé à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Le stade de 46 000 places accueille non seulement des matchs de football, mais également du rugby et est idéal pour la tenue de grands concerts. Il a également été ouvert en 2010 en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Il a été conçu par une entreprise sud-africaine et construit au coût total de 270 millions de dollars américains. Il a été construit surplombant un lac, ce qui le distingue vraiment. Il a été nommé d'après la municipalité métropolitaine de Nelson Mandela Bay, qui a également été nommée en honneur du regretté Nelson Mandela. Le stade national Abuja. 360 millions de dollars américains. C'est le plus grand stade du Nigeria, situé à sa capitale Abuja. Grâce à sa capacité de 60 491 personnes, il est idéal pour organiser des événements non sportifs dans le pays. Ce complexe sportif moderne et ultra moderne a coûté 360 millions de dollars américains. Il a été inauguré en 2003, avant les 8e Jeux panafricains. En fait, il fait partie des 50 stades les plus chers du monde. Le stade abrite l'équipe nationale nigériane de football. Le stade d'Abuja, également connu sous le nom de stade national d'Abuja, est si grand qu'il constitue un point de repère à Abuja. Le stade FNB, 440 millions de dollars américains. Ce stade est connu par de nombreuses personnes dans le monde entier, alors que d'autres l'appellent la Calabas. Il est situé à Nasrec, une zone limitrophe du quartier de Soweto, et se trouve également à proximité du siège de la South African Football Association. Ses coûts de construction ont totalisé 442 millions de dollars américains en raison de la conception en Calabas du stade. Il s'agit du plus grand stade d'Afrique et se vend d'une capacité de 94 736 places, ce qui explique pourquoi il était apte à accueillir la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Il a été ouvert en 1989 et rénové en 2009. Le stade a été le lieu de la dernière apparition publique du défunt Nelson Mandela. Le stade de Lembe. 447 millions de dollars américains. Il est le plus attendu de cette compétition. Situé dans la banlieue de Yaoundé, c'est un stade flambant, doté d'une capacité de 60 000 places. Il répond à toutes les commodités des grands stades européens. Présenté comme le stade le plus cher d'Afrique, avec un coût estimé à plus de 260 milliards de francs CFA, Olembe, ou le stade Paul Biya, va accueillir le match d'ouverture. La finale est match en 8e de finale, quart de finale et demi-finale, en plus des rencontres de la poule A. Il sera le stade le plus utilisé durant cette CAN. Le stade Moses Mabhida, 450 millions de dollars américains. Ce stade polyvalent était l'un des autres stades pour la Coupe du Monde 2010. Il est situé à Durban, en Afrique du Sud, d'une capacité de 54 000 personnes. Cependant, lors de la Coupe du Monde, il avait des niveaux tambourés qui lui ont permis d'éteindre 62 762 personnes. Il porte le nom de Moses Mabhida, ancien secrétaire général du Parti communiste sud-africain. Sa construction a coûté 450 millions de dollars américains et a été ouverte au public en 2009. Elle est construite à côté du stade King Park et dispose d'un institut sportif moderne. En outre, il possède une station de transport transmodal
qui a été très utile lors de la Coupe du Monde 2010. Le stade du Cap, 600 millions de dollars américains. Ce stade nouvellement construit, situé au Cap, a coûté 600 millions de dollars américains, ce qui en fait le plus cher. Il est parfois appelé stade Greenpoint. Ce stade de 104 100 places a été construit par une société sud-africaine appelée Murray & Robey. Il était officiellement ouvert en 2009 et figurait parmi les stades utilisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Natcha d'avoir regardé la vidéo, c'était Amel de la chaîne YouTube La Touche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et ben, concernant la question, la réponse est l'Égypte. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les stades les plus chers d'Afrique. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.